14-31, Pachtounistan. Avant l'heure de la première prière de la journée, je sors de mon repère, un foulard autour de ma gorge nouée. Mes yeux balayent le ciel à la recherche d'un drone, comme si j'avais le temps de courir avant que mes cils tombent. En marchant, je me questionne sur mille affaires à la fois, mais si je poursuis ma route, c'est que le doute raffermit la foi. Je traverse les rivières, les ravins de mon pays tribal. Après des heures, j'arrive enfin au port de la route principale. Quand m'appelle, je me dépêche à faire un trou dans le sol pour y mettre une charge explosive d'engrais agricole. Comme dedans y'a pas de métal, le piège est indétectable. J'ai juste à effacer mes traces avant de prendre la montagne. Je me positionne de manière stratégique. J'espère juste que personne me repérait par satellite. J'essaye de calmer ma peur, prête pour le guet-apens. Le doigt sur le détonateur, je suis pas prêt, c'est fait que j'attends. J'attends celui qui aurait dû rester chez lui. J'attends. Pis comme dit un vieux proverbe afghan, eux ils ont peut-être des montres, mais nous on a le temps. J'attends celui qui aurait dû rester chez lui. J'attends. Pis comme dit un vieux proverbe afghan, ils peuvent tuer les hirondelles, ils empêcheront pas le printemps. Depuis des heures déjà, la lumière a chassé l'obscurité. Je me rends compte à quel point la route est à proximité. Les yeux plissés, j'ai peut-être l'air stressé, mais je réfléchis comme le soleil sur mon RPG. Je suis conscient que si jamais on m'attrape, on me torture ou on me photographie. À poil à quatre pattes, comme si j'étais rien qu'un passeport. On m'accuse à tort et à travers des tissus d'une race à mort. Comme si le port de la part allait s'étendre comme un virus cancéreux. Comme si j'avais pas d'enfant ou pas de tendresse envers. Comme si je balayais le creux de ma grotte avec les cheveux de ma femme. Puis que le soir, je me réchauffais sur le bord d'un feu de napalm. Comme si j'étais un malade mental, extrémiste. Mais y'a des signes pour les gens qui réfléchissent. On m'a défiguré, j'étais de la dans le visage, on a rayé mon image pour mieux raser mon village. J'suis pas le genre qui panique quand ça tire. J'ai déjà poté le cul de l'Empire britannique. J'suis prêt à faire la même chose, j'me bats pour la même cause. Depuis toujours, je refuse la paix que l'occupant m'impose. J'suis loin d'être un débutant, j'ai pas peur de perdre du temps. J'suis prêt, j'ai des armes, fait que des arguments percutants. J'veux libérer ma terre, c'est pas une question de religion. Fait que éteins mes côtés, j'ai jamais été tourné d'avion. Puis j'ai lutté contre la culture du pavot. Maintenant, si j'en fais pousser, c'est pour vivre, c'est vous qui m'y avez poussé. J'suis pas parfait, ma vision de la vie a fait des victimes. Mais l'agression de mon pays il m'a rendu légitime. J'attends celui qui aurait dû rester chez lui. J'attends. Puis comme dit un vieux proverbe afghan, eux ils ont peut-être des montres, mais nous on a le temps. J'attends celui qui aurait dû rester chez lui. J'attends. Puis comme dit un vieux proverbe afghan, ils peuvent tuer les hirondelles, ils empêcheront pas le printemps. J'attends celui qui aurait dû rester chez lui, j'attends. J'allais presque m'endormir quand je capte un bruit de moteur qui paralyse mes jambes, me fait courir mon cœur. Je m'écrase contre un rocher, j'ai peur d'être mal caché. Je regarde une dernière fois si mon arme est prête à cracher. La mort est si proche, je récite déjà la shahada. L'ennemi approche, je reconnais les couleurs du Canada. Comme une centaine de pays, l'adrénaline m'envahit. Dans quelques secondes, ils vont comprendre à quel point j'ai haï l'attente. Est rendu presque interminable, mais je suis prêt à laisser personne filer sous ma barbe. Finalement, la vaisseur arrive à ma hauteur. Je ressens tellement de stress, j'en ai mal au cœur. Je laisse passer un premier homme vit, même un deuxième s'évapore. Mais le troisième, dit bonjour au diable de ma part.